Bonne année 2022 à toutes et à tous. En ce début d'année, dans un contexte sanitaire incertain, je vous présente mes vœux à vous, à vos familles et à toutes celles et à tous ceux qui vous sont chers. Soyez tous convaincus, en 2022, comme ce fut le cas en 2021, de l'engagement de la commune, de l'équipe municipale et des agents auprès de chacun d'entre vous, dans une période difficile qui complique fortement notre vie quotidienne. Chaque jour, nous continuerons à chercher les meilleures solutions pour vous aider et pour assurer le bon fonctionnement de nos services publics. Mon espoir le plus vif est que nous sachions ensemble surmonter cette crise. Après une année 2021 bien remplie, je vous souhaite à tous une année heureuse qui donne à voir plus loin et qui permette à chacun de réaliser ses projets et de vivre ses rêves. Une année riche d'enthousiasme, de partage et de solidarité. Je forme des vœux pour les plus jeunes d'entre nous, pour que chacun réussisse ses projets, ses études et son entrée dans la vie active. Je souhaite une bonne année aux acteurs de la vie économique, artisans, commerçants, professions libérales, aux enseignants, au personnel communal et aux agents de nos services publics. J'adresse mes vœux aux bénévoles des associations, aux représentants des cultes, à toutes celles et à tous ceux qui nous font le don quotidien de leur dévouement et de leur engagement. Que cette nouvelle année soit une bonne année pour la Seyne-Saint-Cloud, qu'elle nous permette de protéger notre cadre de vie, notre patrimoine et nos espaces naturels. Je souhaite que 2022 voie s'épanouir encore la vie associative, l'esprit d'entraide et de solidarité, afin de préserver cet art de vivre ses lois qui rend les échanges si simples et si conviviaux. Dès aujourd'hui, nous construisons la ville de demain, celle de 2030, avec la volonté qu'elle soit plus belle, plus accueillante et plus solidaire. En 2022, de nombreux projets verront le jour. Après des études préparatoires, nous engagerons la réalisation de la médiathèque et du cœur de ville. Nous continuerons à requalifier notre patrimoine et nos équipements et nous lancerons la rénovation du quartier de Bourgard. Ces projets, largement subventionnés, n'entraîneront ni augmentation d'impôts ni endettement de notre ville. 2022 sera également marqué par d'importantes élections. Je souhaite profondément que notre pays puisse, à cette occasion, retrouver son élan et son dynamisme, renouer avec la confiance et que, fidèle à sa longue histoire, il ressaisisse son destin. Soyons attachés à ce que nous sommes, fiers de nos valeurs, sûrs de nos capacités d'ouverture, de création et de générosité. Que cette nouvelle année comble pleinement vos souhaits et vos attentes, qu'elle vous garde en bonne santé. Très bonne année à tous et à toutes.